Qu'est-ce que c'est guérir? Est-ce que c'est simplement arriver à ce que le corps retrouve un équilibre et puisse continuer à vivre plus longtemps? Ou est-ce que c'est permettre à un individu de comprendre, dans le sens comprendere latin, prendre tout avec lui, comprendre tout ce qu'il est, se souvenir de qui il est? À partir du moment où on commence à maîtriser sa propre énergie, on peut commencer à se soigner et aussi à avoir des acquis sur le plan spirituel, voire sur le plan extrasensoriel, avec la possibilité de pouvoir qui s'ouvre pour la personne, de vision de l'aura ou de pouvoir extrasensoriel. Le contact avec eux se fait par voix, j'entends des voix. J'ai des images, j'ai des ressentis, j'ai une discussion avec eux. C'est des personnes qui me parlent directement, c'est pas des flashs, ça peut être, c'est quelque chose de très précis, très clair. Was in a deep meditation a number of years ago, I had a revelation that my work was to heal with love. And at that time, I didn't know what it meant, but I knew that it was true. I began to do select work with patients in my office, and what might be called miracles occurred. I was the first to do these experiments using conventional experimental design, using healers as a test object. I was the first. There was nobody else who was doing it at that time. Réactiver la joie, c'est célébrer l'instant, c'est pouvoir se dire: eh bien, aujourd'hui est une belle journée, je ne sais pas si j'en aurai une autre demain, mais celle qui est là, je la célèbre et je la vis pleinement. Ça peut être déjà un fil conducteur de guérison, même sans identifier un conflit. Je ne croyais jamais à rien, moi, de tout ça. Et j'allais, je subissais, et j'étais obligée d'être convaincue par des faits tellement puissants que j'étais anéantie. J'avais pas le choix. Je pouvais pas dire c'est pas vrai. In normal telepathy, the person who influences the other person has to be a close family member or friend. Now with healers that's not always the case, and healers are unusual in that respect. If they can affect somebody by their intention at a distance, this is something that's unusual. Most of us only affect people we know at a distance. There has to be some link between the healer and the person they're healing. Maybe it's a telephone call, maybe it's knowing their name. There has to be some link for them to focus their intention. What I learned over the years here is that the borders of our mental world are not really good explored, and we don't know very much about it. And that's the really interesting way to go there, to see what are there for mental capacities, maybe for self-healing, maybe for meditation, or maybe of the role of consciousness in the physical world.